Vous êtes sur RTL. Je crois qu'on a encore de la visite. Oui, c'est bien possible. Ah bon? Oui. Bonjour. Bonjour Pascal Pro, ça fait plaisir. Vous nous présentez le sommaire des auditeurs en la parole aujourd'hui? Ah oui, absolument. Nous parlerons des élections municipales à Paris. Oui. Agnès Buzyn, candidate de La République En Marche, a réussi à faire oublier Cédric Villani et Benjamin Griveaux. Mais qui regrettera-t-on le plus? L'agrégé de mathématiques ou l'agrégé de mathématrique? Je pose la question au 3210. Je crois que quelqu'un est en ligne avec nous. Bonjour, c'est Pascal Pro, le vrai. Ah, ça fait plaisir. Bonjour Pascal. Laurent Gérard me met toujours un feu sur la langue. C'est vrai. Dans le cadre du reboisement de la France, dois-je l'enlever de ma langue pour l'implanter sur le crâne de François Langlais? Je pose la question au 32 000. Merci Pascal. J'ai pas fini. Ah oui. Laurent Gérard adore le ski alpin. Oui. Mais si le ski alpin, qui a le fromage et qui a le vin? Voilà, ben merci Pascal. J'ai encore pas fini. J'ai encore une question. Oui. Quand un vegan tombe par terre, est-ce qu'on peut dire qu'il se viande? Ah, c'est une question. Je pose la question en 3210. Bon, ben on va s'arrêter là, Pascal. J'ai une dernière question. C'est pire que le faux. J'ai une dernière question. Une question fondamentale. Oui. Une femme fontaine fait-elle de la vapeur quand elle a le feu au cul? Oui, merci, Pascal. Je pose la question en 3210. Oui, mais bah, c'est bon.